ce débat, il peut avoir lieu, mais non pas ici en assemblée plénière, mais en conférence des maires. Je rappelle simplement que la signature de l'accord qu'évoque le maire de Saint-André est intervenue entre les maires de la Sireste à l'époque, en 2020. Et donc, c'est ce que j'ai signifié à mon collègue Jory Béziers. Et j'ai également indiqué que je m'étais suffisamment exprimé depuis le début de cette année 2023 sur cette affaire, qui n'en est pas une finalement. Et j'aurais préféré, pour tout vous dire, que dans les circonstances que nous traversons actuellement à la Sireste, suite à l'agression notamment de notre DGS, que cette question soit évoquée plus tard et qu'on fasse preuve d'un peu plus de pudeur en ces moments difficiles que nous connaissons. Je suis pour la stabilité. Et quand le maire de Saint-André évoque l'accord de 2020, ce qu'il ne dit pas, c'est que cet accord sous-entendait qu'il y avait aussi de la solidarité, qu'il devait y avoir de la solidarité entre les collègues et élus de la Sireste. Cette solidarité, elle a volé en éclats très rapidement, dès 2020-2021, et notamment en raison des interventions médiatiques de nos collègues de Saint-André. Et cela a continué jusqu'en 2023, finalement. Et pour le coup, je constate également que depuis 2020, finalement, les élus de Saint-André siègent très peu ou très rarement dans les différentes commissions qui existent au sein de la Sireste et ne font pas finalement avancer les dossiers qui sont pourtant bien présents. Saint-André s'est mise en retrait d'elle-même finalement des dossiers et des projets de la Sireste. Ces projets, ils existent, ils se manifestent notamment à travers le projet de territoire que nous avons adopté à la majorité des collègues l'année dernière et que nous allons mettre en œuvre au cours des années à venir.